Un reportage réalisé par globalfood.com grâce au concours d'UFR, SIA, Microforce et Caraïbes Froid Industries. Intensité, envie et jeu. C'est ce qu'affiche la Séverbrie contre l'Olympique du Marin en ce début de partie. Et dès la 20e minute, les Marinois se font surprendre par Jordan Serlan, ouverture du score à Grasse. Ce but donne des ailes aux Robertins qui tentent d'aggraver le score une première fois et une deuxième fois. Mais dans cette rencontre, l'Olympique a un magicien. Il a le pouvoir de faire la différence et de rendre heureux ses supporters. Grâce à ce but exceptionnel, Jérémy Sebas réduit le score 1-1. Avant la mi-temps, Donald Dogué permet aux Marins de maintenir ce score grâce à cet arrêt magistral. En deuxième période, le match est plus tendu par rapport au premier temps. Il faut attendre la 86e minute pour voir un autre but dans cette partie. Un but gag contre son camp qui surprend tout le monde. C'est suffisant pour la Séverbrie. Le club accède en régional. Place cette fois au deuxième match entre le Good Luck et le RC Lorrain. En première mi-temps, les Fouillalais se créent les situations les plus dangereuses sur coups de pied arrêtés et dans le jeu. La deuxième période est fade et très difficile à suivre. Les deux équipes se dirigent vers les prolongations. C'est d'ailleurs à ce moment de la partie que le RC Lorrain se découvre et montre ses crocs. Le Good Luck a même une occasion en or pour enfin ouvrir le score, mais pétard mouillé. Même constat pour le Lorrain, plus offensif dans cette prolongation. En deuxième période, les Lorinois manquent totalement leur chance puisque le ballon heurte la barre. Mais le score n'évolue toujours pas. Après 120 minutes, place au tir au but, suspense total. Le Google l'emporte finalement 3-1, une victoire obtenue jusqu'au bout de la nuit, synonyme d'accession en RP.